Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour parler d'un sujet un peu sérieux, un peu important. D'habitude, c'est vrai que j'essaye sur ma chaîne de faire que des choses plutôt fun et plutôt légères, mais là, j'ai pas vraiment choisi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait un break du coup de vidéo pendant une petite semaine, une bonne semaine même. Là, je suis encore actuellement dans le sud chez mes cousines où j'ai passé le week-end. Et si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a une semaine, j'ai appris une très très triste nouvelle. J'ai perdu ma maman. Donc pour ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être qu'on était très très proches, qu'on s'appelait vraiment tous les jours, qu'on s'envoyait des messages très très souvent. Et du coup, ça a été un petit peu un coup de massue. Donc pendant une semaine, j'avais vraiment besoin d'être à 100% avec ma famille et de toute façon, je pouvais pas enregistrer de vidéo puisque j'ai énormément pleuré et j'ai fait et je fais encore des cauchemars. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai mis Instagram quand même au courant il y a maintenant quelques jours. Et j'ai expliqué que voilà, j'avais besoin de temps, donc j'allais reprendre les vidéos cette semaine puisque on va dire que c'est ce qui va me garder un petit peu à flot. Moi, c'est un travail qui est aussi une passion et c'est vrai que si je ne fais plus rien, je vais partir en dépression, donc c'est pas le but non plus. J'aurai sûrement des moments où je vais avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire des moments où tout va aller bien et où je vais penser entre guillemets bien m'en sortir, et d'autres moments où ça va être beaucoup plus difficile et où je vais pas forcément être bien. Donc je vais pas me forcer au niveau des vidéos, je vais vraiment faire les vidéos quand ça me semble bien, et s'il y a une journée où je me sens pas bien, j'en posterai pas, tout simplement. Je vais aussi aller voir un médecin et sûrement un psychologue pour parler de tout ça et pour m'en sortir du mieux possible. Je fais cette vidéo parce que je vais bientôt reprendre les lives sur YouTube. Vous savez que j'avais été un petit peu punie pendant 90 jours. Les lives vont revenir en mi-juillet. Et j'ai pas envie que quand je reprenne les lives, j'ai des questions sur cette période-là et j'ai des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, c'est-à-dire comment ta maman est partie, quel âge elle avait, pourquoi, comment ça va, toutes mes condoléances, voilà, ce genre de choses que j'ai pas envie de voir ni auxquelles j'ai envie de répondre. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour un petit peu clore le dossier. Évidemment que je vais en parler, mais voilà, c'est quelque chose de très personnel, c'est ma maman. Donc je vais avoir besoin de ma famille, je vais avoir besoin de mes amis proches. Mais pour le coup, je veux vraiment faire une séparation entre ce côté très personnel, très difficile que je suis en train de vivre et YouTube. Puisque voilà, pour moi, YouTube, c'est une plateforme où on s'amuse, c'est une plateforme où on parle de choses fun. Et j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de déprime et une chaîne où toutes les semaines, je vous dis que je vais mal. Donc je vais garder ce côté-là pour moi et je vais aller mal dans mon coin. Et je vais aller mal avec ma famille. Et pour vous, voilà, j'ai envie qu'on avance, qu'on continue, qu'on reprenne les vidéos et que je me raccroche à ça, à vous, à mes petits rayons de soleil qui m'accompagnaient depuis maintenant 3 ans et qu'on reste pas voilà, sur du négatif. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais la faire un petit peu plus tôt, mais c'était encore trop difficile de parler de ça. Donc là, j'arrive quand même à le dire sans pleurer, donc c'est plutôt positif. Puis je réalise aussi, hein, c'est vrai que je pense que je suis ni la première ni la dernière qui a perdu quelqu'un de sa famille dont il était proche. Donc si vous aussi ça vous est arrivé, n'hésitez pas à vous rapprocher des choses qui vous font du bien, à vous rapprocher de vos amis, de votre famille, et puis à pas rester dans votre coin, à pas rester tout seul dans ces moments-là. Moi, je vais être très très entourée là cet été. J'ai fait en sorte d'être quasiment tout le temps avec des gens, soit ma famille, soit des amis, pour justement pas avoir des moments de solitude et pas avoir des moments d'inoccupation où je vais penser à tout ça et être mal con. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous. On reprend tranquillement du coup les vidéos cette semaine et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. C'est là où vraiment je pense que je suis la plus ouverte et où je vous dis le plus de choses. Ciao, ciao.